Ah, il y avait du monde à l'instant là ici. Bon, il m'a dit normalement, il m'a dit de faire attention, mais il m'a dit, mais bon, après. Du monde, c'est très petit, là. Je suis allé cette terre en passe, comme ça. Il y a des parasites. Ils sont pas loin, eux. Hostia puta, presente. Això només ho fan els estrangers, no ho fan els nacionals, no ho fan, això. No, 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 jo estrangers. Perquè jo li ensenyava que havia passat la ITV. I ell deia que tu l'ITV te'l guardes per tu. Així va l'ITV alemà. I me toca anar al tu, passar l'ITV, i després de passar l'ITV, pues, a pitar, con tot, normal i corrent, però... Aussi, ils sont un peu loin, mais il y a du monde. Ouais, ça parle français. Et quand on vous dit qu'il y a du monde sur les 40 canaux, faut juste faire des tours et des tours et des tours de galettes.
73-51, les stations fréquences de la part de Dundee 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et côté circulation, c'est le bordel ici, là dans le sens de la descente. Ouais, j'ai entendu quelqu'un là, mais avec les QRM que j'ai là en haut du pont, là c'est quasiment c'est inaudible. Et 73 la station de la part de Dundee 33, bonne journée à toi. Attention le mobile que j'ai eu le dernier coup là sur Brienne. Est-ce que tu es en fréquence? Attention la belette ou Scooby-Doo pour Dundee 33 qui vous appelle. Bon alors, les stations fréquences qui veulent prendre le pont d'Aquitaine, bon, ça roule doucement. Ah, évidemment, c'est l'heure, hein. C'est l'heure du bordel. Et puis Bordeaux sans bouchon, c'est plus du Bordeaux. Moustaché. Attention Scooby-Doo. Et ils sont où? Alors le dernier coup c'était la véritable cacophonie là quand je suis passé là à la même heure là sur le pont d'Aquitaine. Comme quoi les jours se suivent et se ressemblent pas. C'était une telle cacophonie d'un écho qu'on se recrut dans les années 80-90. Ouais, c'était à ce point-là parce que même les stations d'Angoulême arrivaient à passer. Donc en plus de ça, il y avait un filet de propague. Attention Scooby-Doo, la belette pour Dundee 33 qui vous appelle. Attention Barracuda 56, Barracuda 56, est-ce que tu es dans le quartier? Centre routier de Bordelac.
Attention, Barracuda 56, la belette Scooby-Doo pour Dandy 33 qui vous appelle. Attention, fusible pour Dandy 33. Tu finis par croire que je suis pas au bon endroit pour entendre quoi que ce soit, moi. Ah ! Attention, la belette pour Dandy 33 qui t'appelle. Attention, Barracuda 56, est-ce que tu es sur le secteur? Attention, Nico pour Dandy 33 qui t'appelle.
J'entends gazouiller derrière dans le QRM, là c'est complètement inaudible de mon côté. Si c'est toi Nico, à tout hasard, ou la belette, les besoins 1351 à vous de la part de Dandy 33 depuis le centre routier de Bordelac. Là j'ai pas mal de QRM là de mon côté là. Je suis même pas sûr de ce que j'entends là. Ah chi. Ah, ça gazouille de ce côté-là. Oh non, c'est pas français. Là, on voit bien que c'est l'entreprise qui travaille là, parce que, en fin de compte, elle les entend pas souvent. Là. J'ai l'impression que ça doit être pour la peser, le truc comme ça. Donc, ils prennent juste le micro quand il y a besoin, quoi, pas plus. J'ai raté tout à l'heure une charmante voix d'YL. Bah, c'est pas grave. Alors, pour le QTH de cette entreprise, ça doit être les environs de Blanquefort. Et là, je suis à bord de lac, au centre routier. On peut dire que ce matin, c'était très calme. Ben là aussi, il y a eu du monde à l'instant. Comme tout à l'heure, le... Ah ben voilà. Là aussi c'est tout petit, mais bon, ça montre bien que les 40 canaux sont quand même pas mal occupés malgré tout. Même si ce matin, j'avoue que c'est très calme. Alors, si vous entendez personne sur le canal 19, n'hésitez pas à lancer des appels. Ou alors faire les tours de galette. Parce que là, les gens, ils sont derrière. Hein. Mais voilà, il faut, comme je fais là en ce moment, ils restent à l'écoute. Hachi trois coups. Midi. C'est midi. Parce que j'ai appelé Philippe, il sortait. Il était, j'ai appelé Philippe, il devait être midi 3 ou 4, 5. Je peux le charger. Vous voyez, juste avant, pourtant, je suis passé plusieurs fois sur le canal 26. Eh bien, si, ils sont bien là. Si, si, j'ai appelé quand même pour lui dire. Je suis sorti, moi, du moins 5, je crois. Moins 5 de marche brune, je crois. Ouais, il était passé rapidement, il n'y avait personne, hein, même pas grand monde. Bah, j'en ai fait des tours de canot. Et pourtant, hein. Là, on voit bien que la discussion sur le canal 26 vient pas juste de démarrer, hein. Pourtant j'en ai fait des tours. On y va. Il suffit de tomber juste au bon moment. Oui, j'attendais vraiment, il y avait du monde. J'avais le cul pratiquement sur la route. Ouais, il y en avait 4, 4 enfin, sur chaque fil, quoi. Ah ouais, t'es tombé au bon moment.
resté plus d'une heure, largement. Hein. Vous voyez comment on a l'impression qu'il n'y a personne ? Ah, ça va être des gros blancs comme ça. Et pourtant, on n'arrête pas de le dire. Il y a du monde sur les 40 canaux, ils sont là. Ouais, je l'ai appelé en sortant. Je viens de passer la remorque commune. Ouais, et donc ? Ben, et donc ? Voilà. Bon, il me dit ça va alors. Voilà à quoi sert la CB aussi, pouvoir se passer des infos oui, comme là, ça. Il a pris les bras, mais ça l'a poussé. Donc, je peux te dire qu'il a failli pas aller au lac, hein, mais prendre Paris. Hein. Merde, il est à droite, il va sur le pont là-bas. Ça va sur le pont d'Aquitaine. Regarde, il est à droite, mais je suis sûr qu'il va se rabattre. Regarde, il va revenir à gauche. Hop là, il a fait droite-gauche. Regarde. Bah, ça permet de se tenir informé sur. Ça va pas finir vieux, je pense. Hein. Ça permet de se tenir au courant sur, le, sur ce qui se passe sur la route. Donc oui, il faudrait que tous les camions soient équipés CB. Qui reprennent le pont par là, hein, qu'il arrive à la droite. Si je peux arriver en même temps que lui, je t'inquiète pour qu'il aurait fallu qu'il freine, hein, ou qu'il accélère très fort. Hein. Voilà pourquoi la CB est vraiment utile. Là, ils se tiennent informés, les mecs. C'est ça qui est bien. Par téléphone, le temps de prévenir, c'est trop tard. C'est bon. On va trouver les feux de plaque qui marchent pas. Ça, j'avais pas regardé. Du jeu dans un amortisseur à l'arrière gauche. On me dit c'est sûrement celui en bloc, mais j'ai dit c'est en bas ou en haut. Bon, ça avait même plus de trou. Alors, tu vois, comme quoi. On m'a dit aux yeux en bas, je crois. Oh oui. C'est bien ce qu'il me semblait, ils sont à côté. Bah, le barré rouge. Mais bon, ça, c'est tous les ans, je l'ai pas, on s'est pas oublié, alors. Oh, bah, mon Dieu, c'est ce que j'ai dit. Ils ont disparu, alors ça se trouve, ils sont partis dans les vieux camions. Nous, on a récupéré les bennes, et puis, bah, maintenant, bah, les papiers, bah, on sait pas où ils sont. Oh, non, bon, bah, ça sera marqué, puis voilà, quoi. Sinon, non, ouais, je crois qu'il y a un feu de plaque sur les deux qui marche, et puis, bah, les. Comme l'année dernière, les mêmes, hein, les deux coussins d'air qui sont craqués, mais alors ils ont fait un an. Hein. Elle me l'a dit aussi. Mais elle l'a même pas marqué. Elle m'a dit, bon, ouais, toujours pareil, comme l'année dernière, c'était marqué déjà, hein, c'est craqué, mais. Ouais, elle l'a même pas marqué. Hein. Oui, j'ai même pas regardé, toi. Non, elle m'a dit, oh, bah, c'est bon, c'est comme l'année dernière, donc, bah, on va quoi. Bon, je vais dire Philippe. Ouais, il me dit ouais.
que comme Brice quoi. Monsieur Suveur, enfin comme Brice, sauf en tout petit quoi. Ouais, d'accord. J'ai dit, moi j'ai pensé à un truc, j'ai dit une porte physique derrière. Comme était la petite Ben. Ah ouais, mais on était emmerdé et tout. Faut pas tout, on était emmerdé. Ah bon. Mais ouais, après. Ouais, dit, je vais voir, je vais me renseigner. Oui, la 60, les 73-51, la station de la part de Dandy 33, là je suis en ce moment là en push arrêté là sur le centre routier. Et ben je décolle à l'instant. Ah, ok pour ça, ok pour ça. Tu es où toi là, la station? Exactement, je suis en train de sortir mon culotte et j'ai encore un bon rouleau. D'accord, t'es en mobile, 1000 pattes en push? Ok, ben moi c'est pareil, là je suis en push-pull, là j'étais en formation là aujourd'hui, là justement là sur le centre routier. Là on vient juste de terminer. Ok pour ça, j'ai pas tout rendu, Nicole, je suis en bas et j'ai une petite canne à pêche. J'ai un petit président 40 canons qui va bien là. Mais bon voilà, j'ai pas tout rendu, je suis en bas donc pas mal, ça se passe mal. Ok, mais c'est pas toi que j'ai eu là dernièrement, là un matin, vers les 7h30 par là, qui était du côté de Brienne, je crois. Ah ouais, peut-être, écoute, c'est pas 2 kilos. Ok, ça marche. Parti pour moi. Ok, voilà, je suis là. Oui, ça me dit que ta voix me dit quelque chose. Et voilà, les 73-51, toi, de la part de Dandy 33, également en push. Si je me trompe pas, c'est toi que j'ai eu l'autre matin, justement, là, j'étais coincé dans les bouchons sur la rocade de Bordeaux. Je venais de passer le pont d'Aquitaine. D'ailleurs, c'était une vraie cacophonie ce matin-là, là, sur la CB. Ouais, tu dois avoir pas mal de parasites là de ton côté. Ouais, je reconnais bien ta voix, il n'y a pas de problème. Oui, c'est le. Ouais, je me souviens bien, il était vers les 7h30, hein, dans ces jours-là. Tu m'as accompagné, on va dire, sur les ondes pendant un petit bout, là, pendant que j'étais coincé sur la rocade. C'est affirmé, ouais. J'étais. Je crois que la fois que j'ai eu, je me rendais à Montpro, je crois. Voilà, j'étais en bas du pont de l'Aquitaine. Oui, t'étais plus loin que ça. Attends, si j'ai bonne mémoire, tu étais du côté de Brienne, je crois, non? Allez, gâteau, là, allez, gâteau, c'était pas moi. Mon QRZ, c'est Spitfire, mon QTH Saint-André, le Cubzac. Ok, Spitfire, non, ben, toi, je confonds avec une autre station mobile. Ouais, comme quoi, il y a quand même pas mal de mobiles sur les ondes, parce que j'en connais d'autres également qui sont en push. Hein. Non, apparemment, non, c'était... si je me souviens bien, l'OM me disait qu'il était du côté de Brienne. Et là, voilà, là, à la seconde, je suis en train d'attraper là, la bretelle d'accès là, vers le pont d'Aquitaine, là, derrière Auchan. Affirmatif, ok, pour ça, tu passes très très fort dans le TX, c'est un signal de 3 ou 4, voire plus. C'est ça que t'appelles très très fort? Ah, chie trois coups! Ok, d'accord. Et alors, attends que je fasse pas de conneries. Voilà, c'est. Voilà, là, je suis presque là, au pied du pont d'Aquitaine. Ah, mais sans déconner, sérieux, tu passes. T'as un signal de 3 ou 4 sur OTX. D'accord, ben toi, là, tu me casses tout, là, quasiment. Hein. Là, une modulation qui est très très forte. Là, ça, quoi que je dis ça, mais j'ai le volume qui est un petit peu haut aussi par la même occasion. Ah, chie, pour ça. C'est parce qu'on n'est pas très loin l'un de l'autre, sûrement.
Voilà, je suis là, ben, là en bas là, du pont d'Aquitaine, je suis quasiment là au même niveau que les radars là, qu'il y a dans la descente. Ok, moi je vais pas attaquer le toboggan. Ah oui, d'accord, ah bah tu roules dans le même sens que moi alors. Le toboggan, le topo qui est dans le bout des boulevards avec les bassins à flot sur la droite. Ah si, ouais, c'est-à-dire que mais moi je vais prendre direction Paris, donc je vais prendre le toboggan et voilà quoi, et je sais pas à quelle heure je vais passer le pont d'Aquitaine, là, je sais pour ça. Alors, ben là, toi, je suis déjà dans la montée du pont. Là, ça va, c'est QRO, là, pour le moment, là, ça roule bien, là. C'est, ben, je suis à 70, voilà, ça passe bien. Et voilà, je suis en train de regarder dans le rétro, là, ce qu'il y a derrière. Ben, ça a l'air de bien passer, là. Donc, ça devrait le faire. Ben, ok, pour ça, mais du chemin, parce que moi, je suis à l'arrière, là, et ça ne fait pas du tout. Ah, ben, c'est qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Ah, chie trois coups. Tiens, pendant que j'y pense, je suppose que tu as internet chez toi, là, tu vas dessus, non? C'est relatif, j'ai internet, mais voilà, j'ai essayé de me renseigner pour savoir quels étaient, s'il y avait des collèges, hein, mais apparemment, voilà, je suis allé sur le site Zulu, et voilà, j'ai pas, bon, j'ai eu des infos sur le matos, tout ça, mais après, pour le reste, obligatoire, rien du tout. Ok, eh ben, j'ai un tuyau à te passer. Au niveau de tes collègues, je sais pas. Autrement, j'ai une info intéressante pour toi là, concernant la Siby au sens large du terme. Ben, tu recherches la planète Siby francophone. Ou alors tout simplement Dundee 33. Voilà, Dundee 33, c'est moi. Je viens de passer là, le haut du pont d'Aquitaine. Et autrement, que ça soit sur niveau forum comme Facebook, la planète CB francophone. Ok, mais bien reçu, il n'y a pas de souci. Voilà, tu verras, là je fais énormément de partage, disons que, pour t'en dire un peu plus, en ce qui me concerne, je fais en sorte de promouvoir, redynamiser la CB, et ça depuis déjà pas mal d'années. Donc là, j'ai un gros forum, j'ai un groupe qui est pas mal non plus. Et bah d'ailleurs, il doit y avoir pas loin sur mon groupe, pas loin de 3000 personnes, hein, un truc comme ça là sur le groupe. Le forum, je sais plus, il y en a pas mal aussi. Et ouais, on fait le maximum justement là-dessus là, pour redynamiser la Civit, ça. Tous les ans, au mois de le dernier week-end de juillet, j'ai un stand là sur le salon radio là, de Marennes. Je fais aussi pas mal de vidéos, de ceci, de cela. J'ai fait tout ce qu'il faut là, pour redynamiser au maximum la CB, quoi. Ah, ok pour ça, ok pour ça. Ok, bah tu penses à Crocodile Dundee, voilà. Sauf qu'ici, chez nous, les crocos n'en a pas, donc tu rattaches le 33 à la place, et ce qui te donne Dundee 33. Voilà, comme Crocodile Dundee, pareil, Dundee, mais avec le 33 à la fin. Je t'ai perdu. Ok, ouais, c'est bien ce que j'ai senti. Ouais, je te disais que c'est mon QRZ et Dundee 33 du forum La Planète CB Francophone. Voilà, Dundee 33. Ah ben là, ça passe plus pour le coup. Ah ouais, voilà, ça te revient. Voilà, affirmatif, ouais, c'est ça, c'est bien moi. Dundee 33, voilà, c'est bien ça. Ok, ouais, je suis en train de te perdre complètement. J'arrive à la station de... Hop, là, il y en a qui viennent de faire un coup de Trafalgar en doublant par la droite. Ouais, je suis en train de te perdre.
Je vais t'envoyer, j'arrive à la station et aux stations ESSO, là, Roca Drive droite, là, c'est un endroit qui est moyen. Hein. Allez, je t'envoie les 213-51 toi, et merci pour ce petit contact, et à la prochaine. Et sinon, ben, sur Internet. Il y a quelque chose derrière. Je sais pas si c'est du local ou ouais, peut-être plus. Ouais, d'accord, compris. Il faut leur QSO là-dessus. Eh bien, les stations DX, c'est pas sérieux ça? Ah, chie trois coups. Ah, je plaisante. Attention, les stations du canal 29 pour Dundee 33 qui l'en s'appelle. Attention, les stations du canal 29 pour Dundee 33 qui l'en s'appelle. Oyez, oyez, bravo citoyen, est-ce qu'il y a du monde en fréquence? Ah ben, pour ceux qui sont en stand-by, écoute sur ce canal, les bons sont très secondaires à vous de la part de Dundee 33, en mobile sur la nationale 89 dans le sens Bordeaux-Libourne. Il y a du monde sur la route, mais ça va. Quelque chose là. Je
cocasse comme ça. Hachis trois coups. Ouais, je suis là. Ok, ça marche. Ok, rendu. Eh bien, je suis pas loin, j'arrive à la sortie Montussan, la sortie 3, c'est-à-dire avec le petit village de la Poste qui est dans le trou après. Hein. Moi, je suis juste le sommet du pont d'Aquitaine. Oh, c'est fort ça. Ok, donc t'as bien entendu mon QRZ, donc c'est bon. Dundee 33, et pour le forum ou le groupe Facebook, la planète Sibi francophone. Ah là, oui, il n'y a pas mieux comme endroit pour passer là en haut du pont d'Aquitaine. Ah, Kenji, j'ai pas tout retour. Ok, c'est pas grave. S'il fait beau, il pleuvra pas. Ok, bon ça. Allez, ciao, bonjour. À la prochaine. Ok. Ah, j'ai trois coups. Les bonnes sont 13,50 à toi. Merci pour ce nouveau petit coucou. À la prochaine. Ah, c'est sympa comme on raconte comme ça. C'est ça la magie de la radio. C'est voilà. Que ce soit en longue distance comme en local, voilà, c'est ça. C'est sympa, c'est pas prise de tête, c'est de la totale improvisation. C'est complètement l'inverse du téléphone ou de certains logiciels utilisés via téléphone ou via internet où il n'y a aucune improvisation, rien de quoi que ce soit. Là, c'est l'aventure, quoi, l'aventure sur les ondes. Voilà ce qu'on aime dans cette aventure qu'il y a sur les ondes. Et puis là, avec les autres, là, en BLU, sur le même canal. Je sais que c'est pas terrible de faire ça comme ça sur la fréquence d'appel, mais bon, à quoi bon se prendre de choux pour rien? Ça sert à rien. À un moment donné, ils s'arrêteront, hein, de toute façon. Pas de propag comme ça, perso je vois pas l'intérêt de rester comme ça à attendre. Qui arrive d'un coup, on dirait qu'il y a la propa qui est en train de monter d'un coup là.
Oh, il est 17h25. À fond l'Italie et on a aimé en plus. CQ DX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en Maubis, Sud-Est France, QTH Saint-Émilion. CQ DX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le Sud-Est France, QTH Saint-Émilion, et qui vous propose un QSY sur le 27-565. 27-565, c'est parti pour moi. CQ DX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le Sud-Est de France, QTH Saint-Émilion. Ah, on dirait que j'arrive un peu tôt là. Elle est pas loin la Popeye pourtant. Puisqu'on entend, si on entend les Italiens en AM, c'est que c'est pas loin. C'est pas encore ça. Ah, il y a quelqu'un là. Ah, il y a quelqu'un là. T'es là aussi. Ça casse lui aussi là. Ah ben là aussi. Ah là, là aussi. Mobile, mobile.
Comment ça parle français? Il y a la Popac derrière aussi. Ah ben là aussi, il y a du monde. Ah, vous voyez, pendant que certains pensent qu'il n'y a personne, qu'il n'y a plus personne sur les 40 canons. Là, là, on a la preuve que si, en fin de compte. Hein. Mais bon, on va dire qu'il y a beaucoup de chance derrière aussi. Mais bon, j'en fais aussi des tours de canot. Hein. J'en fais beaucoup aussi des tours de canot. Il y a ça aussi. Hein. On a rien sans rien, hein, de toute façon. Ah, ça a été très furtif là. Allez, on va retourner là-haut voir ce que ça donne. Pourtant, on est à l'affût, là. Elle est pas loin, la propague. Enfin, elle est du côté d'Italie, mais c'est tout et qu'on a haine pour le moment. Ah, entendez un siffleur. Bon, c'est pas grave.